à la lettre sur toi ? Non. Elle est là. Je l'ai apprise par cœur. Par cœur ? Je t'écoute. Ça disait... Cher monsieur, cela fait longtemps que je ne vous ai pas écrit, mais je pense à vous chaque jour. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Comme vous me l'avez vous-même dit un jour. N'ayez plus peur. Tout est accompli. Bientôt, le fumier qui vous a envoyé en prison sera à son tour derrière les barreaux. Ses mensonges, ses magouilles, tout éclatera au grand jour. Votre combat n'aura pas été vain. Loin de là. Je vous le promets. Santos va plonger. Et avec l'aide de Dieu, beaucoup d'autres têtes tomberont. Votre combat contre cette corruption qui a brisé notre rêve de justice se poursuit. En ce moment même, les gens descendent dans les rues faisant fleurir l'espoir que vous avez semé dans leur cœur. Et maintenant, c'est l'heure du changement. Mais la joie ne vient pas sans douleur. Si cette lettre vous est parvenue, c'est que j'ai été arrêté. Et mes bourreaux ne seront pas cléments. Néanmoins, votre rêve qui m'a tant inspiré sera transmis aux nouvelles générations. Je regrette de vous imposer ce nouveau fardeau. Je sais que vous avez déjà beaucoup souffert. Cette lettre renferme un secret qui scellera le destin de notre ennemi. Faites ce qui doit être fait. Je prie pour vous, pour ma fille, Pia, et pour tous ceux qui luttent pour notre peuple. Votre dévoué, José Angelo. Alléluia. Alléluia.